j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Sarah Frézou et Ahmed qui se sont bel et bien mariés hier religieusement. En effet, comme nous vous l'avions annoncé hier, le couple s'est fiancé lors d'une cérémonie qui a eu lieu au domicile de la mère de Sarah. Mais la fête était censée rester privée. Effectivement, Sarah et Ahmed n'avaient posté aucun snap hier. Ils souhaitaient profiter de leur soirée en famille avant d'officialiser la nouvelle. Mais un inconnu s'est introduit durant la soirée et a tout filmé en direct sur Periscope. En découvrant ça, Sarah et Ahmed étaient furieux. Pour eux, cette personne a clairement gâché la surprise. Très énervé, le couple a poussé un énorme coup de gueule. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il raconte tout ce qu'il s'est passé. Après ça, les invités ont pu filmer la soirée. Rim, Vincent, Jaja, Julie, Eddie ou encore Melanite étaient présents. Nous adressons toutes nos félicitations aux jeunes mariés. Je vous laisse tout de suite avec les images de leur mariage et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Enfin prête. J'aime trop diadème, coupe, maquillage, ma passion. Je suis quelqu'un aujourd'hui, on dirait. Ah, vas-y. Ramène le sac. Bah voilà, l'artiste, hein, de toutes ces petites gourmandises. C'est lui, il est là.
Félicitations, la mon cœur. La plus grosse balance avant l'heure, et c'est lui. Non, j'ai pas fait exprès. Oh, la famille est réunie. Voilà. J'ai un train à 10h. Tu parles à qui, là ? Dis-leur ce que j'ai fait ce matin. Hein ? Dis-leur ce que j'ai fait ce matin. T'as balancé tout. En fait, ce matin, j'ai oublié, j'ai fait un snap en disant que j'allais au mariage, mais j'ai pas dit Sarah. Et tout le monde s'est rendu compte, et Guérédine m'a sauvé la vie. Mais c'était trop tard. Et du fait, quand je suis arrivé, j'ai passé un sale quart d'heure. On dit pas comme ça ? J'ai passé un sale quart d'heure. Et voilà. D'un truc, on est grave vénère de ouf. Oui, on s'est marié parce que depuis tout à l'heure vous attendez que ça. Et en fait, jusqu'à des gens s'introduire chez nous, nous filmer, nous casser les couilles, d'accord, arrive à un moment donné, stop. En fait, stop. Ça veut dire que si on a voulu personnellement nous ne pas le publier, c'est nos droits. En fait, on allait vous le publier demain tranquille, on voulait profiter en famille. Et non, il y a des gens qui s'incrustent chez nous. Vous êtes venus même jusqu'à chez nous pour nous casser les couilles, c'est un truc d'ouf. Hein. Donc là, voilà, les gens qui viennent à la maison, grosse embrouille, on se rend compte qu'il y a un mec qu'on connaît ni d'Adam ni d'Ève, il s'incruste parce qu'il m'a vu sortir au collège, apparemment quand j'avais 15 ans. Genre, tu t'incrustes comme ça en fait. Hein, on est en train de péter les plombs. Arrêtez de nous casser les couilles. Laissez-nous faire nos choix en fait. Oui, on est public, certes, mais à un moment donné, si on n'a rien publié, on n'avait pas envie en fait.
vous gâchez tout le temps les surprises, vous gâchez tout, vous gâchez. Mais vous savez quoi? Franchement, on a passé une hyper bonne soirée, on est hyper contents, on est hyper heureux. Et ceux qui cherchent, qui grattent, qui parlent, qui essayent de toujours rabaisser, on s'en bat les couilles, on vous emmerde. Je vous le dis clairement, je vous emmerde. Je vous emmerde, d'accord? Donc c'est bon, fermez tous vos gueules, d'accord? Pour les personnes qui sont contentes pour moi, je vous remercie. Je suis la plus heureuse du monde. C'est mon mari et j'emmerde tout le reste. Merci, bye. C'est incroyable, jusqu'à chez nous, jusqu'à notre domicile, on vient nous casser les couilles. C'est un truc de malade. En fait, je sais pas, vous voulez pas nous laisser tranquille en fait, c'est ça, vous voulez pas nous laisser tranquille. Ouais, moi et Sarah, aujourd'hui on s'est mariés. Voilà, j'ai mis la balle au doigt. Bon, vous voulez faire une surprise? Elle a été gâchée. Tout gâché. Elle a été gâchée par un... Je sais pas comment on peut dire ça, un paparazzi, un... Non, par une personne de plus qui veut faire le buzz et avoir les informations avant tout le monde. Donc en fait... Un mec qui veut faire du buzz. Un mec, faut savoir que ce mec-là, en quelques minutes, il a créé 3 Twitter, 2 Periscope, il a fait un Snapchat, il a tout fait en une seconde. En une seconde, il est venu, il s'est introduit chez nous, Faut savoir qu'il y en a invité beaucoup de monde. Il est rentré chez Baber. Je sais pas si vous êtes. Il y avait beaucoup de monde, ça veut dire on n'a pas calculé. Il a fait carrément, c'est un truc de ouf. Il a même pris une petite fille avec lui, je sais pas si c'est sa fille, soi-disant sa fille. Après, il disait que c'était sa nièce. Pour se camoufler, le mec il est venu sans invitation. Il est venu à notre mariage. Frérot, on vient de le déclarer. Il y a un mec, il est venu chez moi, il a fait un périscope. Là, ça se laisse tomber, ils l'ont pété. Je suis énervée, ça a niqué ma fin de soirée. Sur le camp, les gens, c'est très grave. C'est trop, trop grave. Le mec, il s'incruste. Normal, il filme. Comme si de rien n'était en fait. Il rentre chez ma mère en fait. Ma mère. Qu'est-ce que c'est bon d'être marié devant Dieu. C'est incroyable. En tout cas, on a passé une très très bonne soirée. On a bien rigolé. Merci à tous les vrais qui étaient là. Merci à tous les proches qui sont venus. Et j'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous avez tout apprécié. En tout cas, voilà. Aujourd'hui, moi et Sarah, on est mariés. Et alhamdoulilah, merci Dieu. Que Dieu nous guide, que Dieu nous donne une longue vie, Inch'Allah, moi et elle, et que voilà, que ça dure archi longtemps.